monde, j'espère que ça va et que vous avez meilleur temps que chez nous. Parce que voilà, j'ai remis une couverture, quoi. Voilà, je vous montre parce que je commence à me geler. La dernière fois, il faisait trop chaud, là, il fait trop froid. Bon. Alors, je tenais à vous dire quelques mots du pourquoi j'ai mis la vidéo sur la génisse rousse sur les membres, plutôt pour les membres. Parce que j'ai eu des remarques complètement déplacées, de personnes qui n'ont pas du tout compris de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas de parti pris ou de prise de position ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de vous dire ce qui est en train de se passer actuellement avec les histoires de Génisse Rousse, donc de vous mettre au courant, parce que personne ne parle de ce qui se passe. Et que le peuple hébraïque, donc les juifs, eh bien, prennent leur religion très au sérieux. Et ceci n'est pas du parti pris, c'est un fait. Voilà. Et donc, cette histoire de sacrifice de cette pauvre génisse, eh bien, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et c'est tout ce que j'ai dit. Donc, quand j'ai parlé de génocide du peuple de Gaza et que une personne a dit que je n'avais pas d'empathie, non, c'est l'inverse. J'ai énormément d'empathie pour ces gens qui sont en train de se faire massacrer. Mais vous comprenez bien que quand je reçois ce genre de commentaires, alors que je suis moi-même horrifiée de ce qui se passe, ça me donne un petit peu le ras-le-bol, quoi, le ras-le-pompon, d'avoir des commentaires de gens qui ne comprennent rien à ce que je dis. Dans ces cas-là, voilà, la vidéo, elle est passée du côté des membres et c'est tout. Donc, quand il y aura des informations sensibles ou susceptibles d'être mal comprises, eh bien, je pense que je mettrai les vidéos uniquement pour les membres, parce que là, je sais que j'ai droit à du respect. Je suis désolée, mais il faut pas exagérer non plus. Bref. Je parlais de génocide, et oui, c'est un génocide, et oui, c'est bien ce qui se passe à Gaza, et j'ai énormément de compassion pour ces pauvres gens. Mais je pense que c'était évident, mais apparemment non. Donc je le redis, hein, voilà, comme ça les choses sont claires. Alors, par contre, une pour laquelle je n'ai pas de compassion, je préfère le dire tout de suite, c'est Madame Ursula, qui est visée par une plainte et qui va devoir subir les affres d'un procès par rapport justement à ce qu'elle a bien pu traficoter avec le patron de psy. Donc on va regarder tout de suite déjà ce qu'elle pense de tout ça, la dame. Donc je vais me mettre. Alors quand je dis que je vais me mettre de son côté, là encore je précise parce qu'il faut toujours tout expliquer. Je me mets comme si j'étais en train de regarder par-dessus son épaule ou que j'étais un peu dans sa tête, quoi. D'accord? Donc je regarde un peu de son côté. Qu'est-ce qu'elle pense de ce procès? Voilà. Et puis sur quoi ça va déboucher, etc., etc. Non, mais il faut tout expliquer parce que sinon on se fait incendier alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que s'il y a quelqu'un qui a de l'empathie, c'est quand même Bibi, hein, avec tout le temps que je passe pour aider les gens, etc. Et qu'il y a des gens qui finalement on leur donne ça et ils veulent ça, franchement, ça va bien, quoi. ça va bien 5 minutes, quoi, de se faire incendier pour rien. Bon, allez, on y va. Alors, Madame Ursula, qu'est-ce que tu penses de ces histoires de procès? Alors, donc je reprends toujours mon petit jeu, attendez, je vois là. Bon, là, elle se demande quand même s'il ne va pas aller se planquer, là. Hein. Elle a un choix à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en retrait ou pas? Bon, c'est la question qu'elle est en train de se poser, d'accord? Bien. Donc, alors, se mettre en retrait, ouais, c'est-à-dire en fait faire profil bas. Hein. Est-ce qu'elle va faire profil bas ou pas? Donc, Madame Ursula, dis-nous un petit peu ce que tu penses de ce procès qui va te tomber dessus, enfin, qui est en train de te tomber dessus. Voilà. Bon, alors, c'est pas vraiment elle, mais enfin, bon, c'est une femme. Ouais, Elle aimerait bien virer la résistance. Elle aimerait bien se débarrasser d'un coup de balai de la résistance. Bon, j'ai pas de carte de femme qui lui ressemble. Hein. C'est pas un jeu géopolitique. Hein. Donc, on peut considérer qu'elle est là. Même si cette femme est un petit peu jeune. Mais bon, ok. Bon, elle aimerait bien, encore une fois, donner un coup de balai à la résistance. Ouais. Et à part ça, donc elle n'est pas contente, quoi. Hein. Elle aimerait bien se débarrasser des moutons noirs. Hein. Ah, elle travaille à quelque chose. Oui, elle aimerait bien, voyez, elle aimerait bien rappeler à l'ordre, mettre sous contrôle la résistance ici. Ici, en attendant, elle est obligée de faire profil bas, comme je vous le disais. Donc, elle est en train d'essayer de se mettre un petit peu prudence à l'abri. Hein. En fait, la carte, elle est dans l'autre sens.
Et donc, elle essaie de faire attention, de se mettre à l'abri. Et là, elle est en train de préparer un truc, voyez? Là, on consolide quelque chose, on construit quelque chose. Ok, donc elle est pas contente, quoi. Mais je dis attention, parce que là, il y a une idée de vouloir reprendre le contrôle de la résistance. C'est très net, hein? Alors, bon, par rapport à son procès, là, qu'est-ce qu'on... Bonne nouvelle, ouais. Alors, pour elle, hein? Ah, vous voyez, regardez. Ah oui, c'est une nouvelle carte. Bon, je vous fais des extensions parce que... Mais bon, je vous prépare ça pendant le week-end de Pentecôte. Parce que je sais qu'il y a certaines cartes que vous aimeriez avoir. Vous aimeriez bien avoir. Regardez. Elle a une épée de Damoclès. Donc, vous voyez, elle voudrait bien se mettre à l'abri. Mais l'épée de Damoclès, je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer de quoi il s'agit. Bon, alors là, vous voyez, là... Elle est en train, en fait, de faire des projets pour reprendre le contrôle de la résistance, comme je vous le disais juste avant, par le biais, très certainement, du contrôle des réseaux ou de fichage. Il y a quelque chose là. Ouais. Attention, cette dame, elle n'est pas à prendre à la légère. Elle est extrêmement mauvaise. Par contre, elle a une bonne nouvelle, hein, pour elle. Hein. Bah oui, je sais, mais... On va voir comment elle va s'en sortir de ce procès. Ouais, il y a des calculs. Il y a des histoires de calculs ou de plans. Bon, qu'est-ce qu'on a ici sur l'épée de Damoclès? Ah, elle risque d'échapper quand même, hein. Bon, là, il y a une très très nette volonté de, encore une fois, de s'attaquer à la résistance, de les isoler. Attention, dans les prochains mois. Ici. Elle a une épée de Damoclès, je suis désolée. Elle a quand même l'oiseau qui sort de la cage. Donc je ne suis pas sûre qu'elle ira en prison. Et là, il y a une bonne nouvelle pour elle. Donc on va poser la question. Va-t-elle être punie? Hein? Mais j'ai quand même l'oiseau qui sort de la cage. Hein, voyez? Donc un danger auquel elle échappe. Mais bon, alors, encore une fois, c'est que des cartes. Hein? Alors, le procès, va-t-elle y échapper? Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire. C'est que je pense qu'elle va être mise à l'écart. Ça, normalement, c'est la carte éventuellement du chômage, ou en tout cas, on attend quelque chose. Donc, on est mis à l'écart, on attend quelque chose. Donc, je pense qu'elle va être mise en retrait. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, ici, par contre, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, on va y regarder. Alors, je réfléchis parce que là, c'est aussi la carte. Alors, de la corruption, oui. Mais il y a une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'elle va payer? Est-ce qu'elle va encore faire payer des pots de vin ou des choses comme ça? Parce que tout le monde est évidemment corruptible dans cette histoire. Par quoi ça va se solder pour elle? On va demander. À la guerre, oui. Ça c'est curieux. Elle voudrait aller chez Nato, non? Alors Nato, vous remettez les quatre lettres dans l'ordre, évidemment. Parce que j'ai la guerre quand même, mais vous voyez, j'ai une alliance. Alors, alliance et guerre, évidemment, ça fait penser au sigle des quatre lettres. Et je me demande si on ne va pas la placer ailleurs, moi. Alors, est-ce qu'elle va être classée? Je vous avais dit qu'elle allait être classée. J'avais dit ça dans les commentaires. Une surprise. Alors, normalement, c'est une bonne surprise pour elle. Vous voyez, quand je vous parlais de corruption, hein, on avait la carte de la... Voilà, pareil, hein, de la prestation tarifée, enfin bref. Mais bon, on devine que c'est une femme. Hein. C'est pour ça que j'ai quand même pensé à la corruption ici. C'est une femme qui est prête absolument à tout pour avoir ce qu'elle veut. Et là, vous avez la carte de la corruption avec la bonne surprise. Donc, à mon avis, oui, il y a dû y avoir effectivement des gens qui ont été achetés pour éviter qu'elle aille en prison. Donc, il est possible qu'elle soit reclassée auprès de Nato, absolument. Voilà, et elle retrouve le calme. Bon, par contre, comme je vous le disais juste avant, elle va être mise à l'écart puisque on avait la carte ici. Ben, on est obligé d'attendre et on est obligé d'être passif. Donc,
On aura quelqu'un d'autre. Bon, mais je la vois pas aller en prison, moi. Ben, écoutez, on verra bien, hein. Mais je la vois pas aller en prison. Par contre, je la vois être reclassée du fait de corruption. On va demander qui est-ce qui pourrait prendre la tête de la Commission européenne. Voilà, on va demander. Alors, j'ai quelques petites cartes nouvelles que j'ai rajoutées dans le paquet. Voilà, je vous le montre. Je crois que j'en ai même plus de 300. Enfin bref, c'est un bon petit paquet maintenant. Ouais, j'ai toujours des idées. Alors forcément, après, on n'arrête jamais. Hein. Alors, bon. Bref, oui. Qui va succéder à Madame Ursula? Parce que effectivement, je pense vraiment qu'elle ne pourra pas. Qu'elle ne pourra pas repostuler. Enfin, d'après ce que mon jeu me dit. Elle va laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors, reprenons. Qui va postuler? Ou bah, plutôt, qui va lui succéder? Alors, qui va succéder à Ursula? Ah, on a une femme. Est-ce qu'il pourrait y avoir une femme? Attendez, je retourne le paquet. Hein. Une femme. Une femme que l'on... Hop, pardon. Que l'on conseille, ou alors on conseille à une femme. Eh bien, une femme sur un piédestal. Bon, écoute, on va voir si c'est une femme ou si c'est un homme. Ok, ok. Ou plutôt, moi, ou alors c'est plutôt le fait qu'on lui conseille de ne pas repostuler. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, en fait. Mais on va voir. Je sentais plutôt un homme, moi, mais peut-être que je me plante. Hein. On va poser la question. Ok, qui va succéder à Ursula à la tête de la Commission européenne? Parce que vraiment, normalement, elle ne devrait pas pouvoir... non, elle ne devrait pas pouvoir repostuler. Hein. Alors, il y a bien un changement, mais il y a une division à ce sujet. Alors, il y a un faux prophète, là, qui arrive. Donc, c'est plutôt un homme, vous voyez. Donc, en fait, mon interprétation de la coupe, c'était plutôt le fait que cette femme, une femme qui est sur un piédestal, donc je pense que c'est Ursula, doit écouter la voix de la raison. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, ne pas repostuler en tant que présidente. Hein. Mais il y a bien un changement, vous voyez, mais qui ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a... Ce sont les députés qui doivent choisir, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui doit être nommé. C'est même pas élire, d'ailleurs. Il doit être nommé. Oui, c'est ça. En fait, c'est la personne qui va faire le plus grand nombre de voix au parti des élections européennes, c'est ça, qui devrait être normalement proposée et qui devrait être plus ou moins d'office acceptée. Il me semble que c'est un truc comme ça. Hein. Mais là, moi, je vois un faux prophète, là. Donc, j'ai dessiné un homme sur cette carte. Donc, c'est plutôt un homme, mais c'est un faux prophète, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prôner des idéologies sata. Voilà, ist. Par contre, il y a quand même une dispute ici. Ah, ben, j'en ai sorti deux. Ben, écoute, on va les prendre. Hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a au milieu? Ouais, ah oui, les lanceurs d'alerte ne vont pas être contents. Là, on a... Oui, voilà, ok, ben, ça, c'est pas bon. Et là... Aïe, 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 ouais. Alors ça, c'est une nouvelle carte qui montre qu'il y a un changement, mais un changement qui est en train de s'ancrer et qui est en train de s'étendre, c'est-à-dire un changement qui est en train de provoquer quelque chose qui s'étend. Et on va aller regarder ce que c'est. Là, encore une fois, je pense que par rapport à la nouvelle personne qui va arriver, il va y avoir... par rapport aux lanceurs d'alerte, des gens qui vont contester certainement la prochaine personne qui, comme je viens de vous le sortir, serait plutôt un homme, mais un homme négatif et assez autoritaire. Alors, attendez, je remets ma couverture parce qu'il fait vraiment froid. On va demander qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'étend. Ça peut être plein de choses. Là... Donc, a priori, ce serait plutôt un homme. Hein. A priori. Hein. Ok. Les médias. Tiens, tiens. Les médias. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ouais, d'accord. Cette carte-là, elle est plutôt négative. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que les lanceurs d'alerte vont être de plus en plus surveillés. Hein. Et vous voyez, en fait, il va y avoir très certainement des lanceurs d'alerte qui vont vouloir prévenir par rapport à la nomination de la prochaine personne.
il va y avoir une surveillance. Ouais, il va falloir vraiment faire attention à ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est marrant, on a les ordinateurs là. Alors, vous savez que les ordinateurs, c'est aussi Microsoft, hein. Donc, c'est aussi Bill. Je me demande si cette carte-là ne signifie pas qu'il pourrait y avoir une ingérence de Monsieur Bill. On va demander. Dans cette histoire des nominations. Ah, ben tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, c'est bien un homme, hein. Et c'est bien un homme, mais qui a un côté. Alors, c'est vraiment le faux prophète, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui peut montrer, enfin, qui peut montrer en apparence, j'insiste, en apparence, qu'il a des bonnes intentions et qui en fait n'en a pas, vous voyez? Et moi, je pense qu'il y a une ingérence de Monsieur Bill, là, pour une raison ou pour une autre. Je pense que c'est lui qui est sorti avec cette carte-là. Tout ça va être très médiatisé. Alors. Donc, c'est pas une bonne personne, quoi. Moi, c'est marrant, je sors toujours cette carte en ce moment. C'est bizarre, hein? Ça, c'est encore. Ça, c'est encore quoi? Parce que là, on nous parle d'un changement à venir. Pour étendre quelque chose, un changement qui s'étend, des choses qui prolifèrent, qui vont passer par les médias et l'argent. Mais ils vont nous mettre vraiment le numérique, hein. Ça va créer des gros problèmes. Bon, alors je suis un peu plus dans le futur. En tout cas, c'était pas la question, hein. Mais je sais que si vous avez regardé le live en replay, ou si vous étiez là lors du live, vous savez que je vous ai dit, hein, que dans les 2 ans, il y aura des grands changements au niveau des sous. Donc, on y arrive. Et là, cet homme-là, bah, écoutez, voilà. Donc, quelqu'un d'autoritaire qui est sans doute en relation avec Mr. Bill. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors, qui va vouloir vraiment, vraiment accélérer les choses par rapport aux choses numériques, hein. Il y a quelque chose. Attendez, on va remettre encore une carte. Ah, ben ouais. Ben écoutez, oui, c'est ça, hein. Voyez, regardez, vous avez ici, c'est la dernière carte que j'ai créée, quelqu'un qui prend les commandes, et c'est un homme, hein. Donc, je pars du principe, moi, que ce sera un homme qui prendra bien la tête de la Commission européenne et un homme qui va vouloir prendre les commandes, alors un homme autoritaire qui va vouloir prendre les commandes de cette fameuse commission, mais quelqu'un auquel il ne faudra pas faire confiance. Voilà, moi c'est ce que je sors, hein. Après on verra bien. Et vous avez quand même les lanceurs d'alerte ici, qui vont vouloir prévenir, mais à mon avis, les lanceurs d'alerte risquent d'être surveillés ici, vous voyez, sur les réseaux, et risquent d'avoir des ennuis. Donc il va falloir faire très très attention à ce qu'on dit. Bon. Premier petit tirage. Alors, le deuxième, bah, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai l'impression que ce genre de sujet intéresse beaucoup moins les abonnés, on va dire. Pourtant, c'est assez intéressant de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Alors, pendant le live, je n'étais pas du tout au courant. Là, je me suis renseignée. Donc, pour ne pas vous lasser, je vais faire très rapidement un tirage, savoir à quoi ça va aboutir. D'accord? Cette histoire de projet là pour changer les choix électoraux, hein. Ok, on va demander, est-ce que les Kanaks vont avoir gain de cause? C'est-à-dire, est-ce que le projet de loi visant finalement à redonner quelque part le pouvoir électoral à notre cher Caligula, en gros, hein? Est-ce que les Kanaks vont avoir gain de cause? On va demander. Allez. Est-ce que ça va se calmer, quoi? Ah, ben d'accord. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Donc là, en fait, j'ai l'impression que quand on était en train de parler de Caligula, pardon, j'ai l'impression que c'est lui qui sort, là. Et vous voyez que les Kanaks ne veulent pas en entendre parler. C'est ça, en fait. Donc. Bon, ils sont déterminés, ce genre-là. Alors, est-ce que les Kanaks. Attendez, j'ai encore des cartes qui sont retournées. C'est énervant. Attendez, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, est-ce que les Kanaks vont avoir gain de cause? Puis on regardera ensuite ce qui pourrait se passer en France.
Bon, alors là, vous avez vraiment les histoires de population qui sortent. Bon, ça, c'est les Kanaks, la population de Nouvelle-Calédonie qui, effectivement, qui protestent. C'est marrant, il y a des gens qui partent là. On va demander qui c'est. Oui. Bon, moi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir gain de cause. Hein. J'ai l'impression que les choses vont se calmer puisque j'ai un oui. Et j'ai même l'impression que ça pourrait provoquer le départ de certaines personnes sur cette île. C'est pas l'arrivée de personne. C'est plutôt le départ. Ouais, donc apparemment, en faisant un tirage très rapide, il devrait avoir gain de cause. Je vais quand même remettre une autre carte. Ouais, vous voyez, j'ai une porte de sortie là. Donc mon jeu a l'air de dire que les choses vont se calmer, qu'il va y avoir le départ de personnes. Voilà, sur cette île. Bon, voilà, on va en rester là parce que je ne veux pas trop vous embêter. Alors, pour finir, on va changer un peu de jeu. On va prendre le Aurora. On va demander un petit peu ce que les Parisiens pensent de l'organisation avec le QR code. Voilà. Je n'ai pas entendu beaucoup d'écho à ce sujet, sinon que c'était assez compliqué d'obtenir ce fameux QR code pour aller d'un endroit à un autre dans Paris, notamment dans toute la zone qui a été, on va dire, mise un peu sous cloche, quoi. En tout cas, qui est un peu marquée en rouge. C'est assez compliqué de s'organiser à ce niveau-là. Mais on va demander, alors, qu'est-ce que pensent les Parisiens de cette histoire des QR codes? Est-ce qu'ils trouvent ça très bien? Est-ce que ça les rassure? Est-ce qu'au contraire, ils trouvent ça galère? Donc, on va demander. Alors, le QR code. Alors là, j'ai la famille et le choix. Bon, la coupe n'est pas très parlante, je dois dire. La famille et le choix. Bon, ok. Ça me dit rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce que les Parisiens pensent de la mise en place de ce QR code? Alors là, bon, il y a un espoir, une attente. Il y a tout de suite des blessures ou de la douleur. Il y a pour traverser Paris, pour franchir des endroits dans Paris. Les mensonges. Bon, là, c'est curieux parce que là, je n'ai même pas en fait ce que pensent les Parisiens, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui vont faire des histoires de. Alors, pas des faux QR codes, mais qui vont apparemment. Comment dire? Qui vont truander le système, qui vont piéger le système pour pouvoir justement traverser Paris, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein, pour aller d'un endroit à un autre, pardon. Ouais, il y a quelque chose là qui me dit qu'en fait, il y a des gens qui vont biaiser le système. Bon, donc ce QR code, il n'a pas l'air d'être très au point, et je pense qu'il sera piraté. D'ailleurs, j'avais sorti ça aussi dans un autre tirage, qu'il y avait des gens qui étaient en train de magouiller un petit peu par rapport à l'informatique. Ouais, il y a vraiment des mauvaises intentions là. Hein. Bon, bah c'est bien effectivement pour avoir la liberté de ses mouvements, oui. Alors, à l'abri des blessures, ouais, bah d'accord. Bon, alors c'est curieux parce que là, effectivement, ce serait pour se mettre à l'abri des attaques, hein, puisque c'est un code qui devrait normalement permettre de. Alors, j'allais dire de voyager dans Paris, en tout cas de se déplacer dans Paris en toute sécurité. Donc, c'est pour ça que vous avez protection par rapport à des blessures, par rapport à des attaques. Mais moi, j'ai quand même des cartes qui me disent qu'il y a des gens ici qui vont se servir du système, qui vont détourner le système pour faire des mauvaises actions. Donc d'une façon ou d'une autre, ce QR code, il n'a pas l'air du tout d'être au point. Parce que j'ai quand même ici, en fait, l'espoir de faire des mauvaises choses. Au départ, la carte était bonne, et elle se transforme, puisque avec ces deux cartes-là, ça montre qu'il y a des gens qui ont vraiment à dessein, ou de faire des mauvaises choses, ou des mauvais desseins. Ouais.
Donc, et qui vont avoir toute liberté de se déplacer pour faire alors soit des vols, mais moi je pense que c'est plutôt en fait ici, c'est peut-être même plus que des vols là. Parce que pour moi, ce sont des gens qui se cachent. On a deux fois les histoires de se dissimuler. Vous avez deux fois, hein. Dissimulation, dissimulation. Donc, j'ai quand même l'impression que ce QR code, ça va être exactement l'inverse. Ça va servir les intérêts de gens mauvais. Là, il y a des gens qui sont en train d'examiner tout ça. Ah ben, regardez, voilà. Voilà. Vraiment des choses mauvaises qui arrivent, là. Ouais. Très, très mauvaise. La plus mauvaise carte du jeu, quand même. Bon, eh ben, donc en fait, ce QR code, ça va servir à rien du tout. Et ça ne va strictement pas empêcher les mauvaises actions. Donc, on va essayer de voir ce que c'est. Pour l'instant, j'ai simplement envoyé avec malheur, le démon, l'emprise, tout ce que vous voulez avec le diable. Le fait qu'il y a des gens qui soient mauvais. Pour moi, ça peut être les terreaux, hein, les terroristes, là. Hein. Ça, c'est les gens qui sont justement sous l'emprise du démon, quoi. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Alors, fidélité, attachement, dénuement, le soleil. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais là, il y a des cartes qui montrent qu'il y a un manque de quelque chose. Un manque de quoi? Des choses par rapport au passé. Moi, je pense que ça veut dire que des cartes comme ça, qu'en fait, on aurait dû privilégier les choses faites à l'ancienne. Il aurait fallu faire organiser ces JO de façon traditionnelle, j'ai l'impression. Et qu'en fait, on a voulu en mettre plein les yeux. Que ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, il y a un manque de quelque chose. Il y a une perte. Bon, c'est bien l'été, hein. Donc, c'est ça. La discorde, le clash, la rupture. Mais vous savez que il pourrait y avoir une interruption. Hein. Alors moi, j'ai toujours dit que les JO allaient avoir lieu. Hein, parce que je sais qu'il y a des collègues qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'il n'y aura pas les JO. Moi, j'ai dit qu'ils auraient lieu. Mais par contre, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Ils peuvent être interrompus. Parce que j'ai quand même une fracture. Ou un abandon. Donc, ils peuvent commencer et ne pas aller jusqu'au bout. Il y a un truc quand même. Hein. Est-ce qu'il y a un manque de quelque chose? Alors pour moi, c'est plutôt justement le manque de sécurité. Hein. Nettoyage, renouvellement, l'eau. Bon, il y a deux fois le succès. Bon, là je vois pas ce que... Ou alors, ça veut dire que dans un premier temps, il y aura bien le succès. Donc, peut-être, pourquoi pas, les médailles qui vont être récoltées. Ouais, ça peut être ça, mais... Ouais, ben voilà, regardez. Mais, on a bien une attaque. Hein. Ouais. De la violence. Donc, la perte, moi, je me demande si la perte, c'est pas tout simplement le fait que les choses, bien, c'est la misère, quoi, ça va s'arrêter. Il y a vraiment, j'ai le sentiment, en vous disant ça, que il va y avoir une interruption. Bon, donc... Ça va être encore la honte, quoi. La honte pour la France. Hein. On va refaire un jeu. On va reprendre cette fois le tarot. Alors, pareil, je prends les 22. Attendez. Que je les... Voilà. Voilà, ça devrait y avoir les 22. Non, ça, non. La rigueur, ça, on pourra les utiliser pour recouvrir. Alors, on va demander... Alors, je sais que c'est pas le premier tirage que je fais, mais... Est-ce que le QR code va remplir son rôle, hein, on peut dire ça, hein, parce qu'en fait, il s'agit bien ici d'un rôle de contrôle. Hein. Alors, est-ce que le QR code va jouer son rôle de contrôle pour la sécurité? Ah ben d'accord, la mort. Ouais, ben voilà, la mort et l'interruption. Il y a quelque chose, hein, ça c'est réussite empêchée. Donc, il y a bien quelque chose qui risque d'interrompre ces jeux. Bon, on va faire le tirage. Alors... Est-ce que le QR code va remplir son rôle?
Encore l'attente. Le monde, on est bien sur un événement international, voire mondial. La tempérance. Ah ben voilà, la mort. Donc quelque chose qui est censé justement tempérer, voire contrôler, amener une certaine paix, la paix pour faire ces fameux JO. Et finalement, moi j'ai quand même la mort, hein. Donc il y a bien quelque chose qui risque d'interrompre. Bon là, éventuellement, on a la saison, l'été. Ah ben voilà, le diable. Ouais, ben celui en ce moment, il veut vraiment beaucoup sortir, hein. Donc c'est une intention maléfique, hein, vraiment. Ben voilà. Bon, ben écoutez, ça c'est un attentat, ça. Hein. Ça, je veux dire, y a pas photo. Hein. C'est un truc qui va arriver. Donc le QR code, encore une fois, c'est du pipeau. Donc je pense que les jeux, à mon avis, vont subir un gros problème. Alors je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment. Mais oui, je pense que c'est. J'allais dire, est-ce que c'est vraiment un accident ou est-ce que c'est vraiment un attentat sur le tas? Non. Avec le diable, il y a une intention qui est mauvaise. Ça peut même pas être des balcons qui s'écroulent parce que j'ai vu ça. Alors, je ne sais plus si c'est sur X ou autre chose. Il y a des gens qui sont en train de décrire sur les immeubles. Attention, chute de balcon possible. Parce que les balcons sur Paris, dans Paris, sont très vieux. Hein, c'est quand même des immeubles anciens. Or, ils sont pas prévus, on n'a pas prévu d'avoir une dizaine de personnes sur les balcons. Et ils s'attendent, alors quand je dis ils, c'est quand même la ville de Paris, s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde, et notamment au niveau des balcons. Parce que là, vous pouvez voir les JO sans payer, hein, c'est clair. Hein. Or, comme je viens de vous le dire, les immeubles, bah, c'est des vieux immeubles, et donc ça pourrait donner lieu à des chutes de balcons, des balcons qui s'effondrent. Mais c'est pas ça que je vois, parce que vous voyez, ça me faisait penser à justement des choses qui s'effondrent. Là, avec le diable, il y a un truc, hein. Il y a quelque chose qui est voulu ici, hein. Donc c'est pas un accident. Ouais, ben à mon avis, ça va, il y aura enquête, mais. Je pense que les choses vont être, ouais, vont être retardées, hein, manipulation, etc. Bon, ces JO sont définitivement mal aspectés. Ça, c'était évident. Et mon jeu le reconfirme. Voilà, donc ces QR codes ne vont servir à rien. J'ai quand même demandé qu'est-ce que les Parisiens en pensent. Juste 2 secondes, voir. Est-ce qu'ils trouvent ça bien? Que vont faire les Parisiens? Voilà. Est-ce qu'ils vont être très très contents, les Parisiens? Est-ce qu'ils vont foncer aller chercher leur QR code? Est-ce que trouve c'est une bonne chose? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, que pensent les Parisiens de l'instauration du QR code? Bon, bah, ils pensent que. D'accord. Ils pensent que c'est vraiment. C'est marrant, j'ai encore le danger. Hein. Bon, ils pensent que c'est un abus de pouvoir. Hein. Ouais. Avec le tigre, la domination, le guet-apens, ils pensent qu'il vaut mieux ne pas être là. Parce que sinon, on va se reprendre dans la toile de l'araignée, c'est-à-dire, en quelque sorte, les gens ne seront plus capables de bouger. Hein. Quand on est dans la toile de l'araignée, bah, vous ne pouvez pas bouger. Donc, vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. On va demander quand même. Alors, les Parisiens, que pensez-vous du QR code? Ouais, souffre. Oh, bah, décidément, il insiste, hein, le jeu. Hein. Il insiste, hein. Il insiste, hein. Non, là, le jeu, il n'est même pas sur les Parisiens. Quoique, éventuellement, on peut voir le désaccord. Mais moi, j'ai l'impression que le jeu me redit qu'il va y avoir un gros problème. Hein, voyez, souffrance, duel, violence et torpeur, inertie. Donc, un cauchemar dont qu'on ne pourra pas éviter, plus exactement. C'est même pas les Parisiens, là. C'est carrément encore le fait que, comme les choses se rapprochent, eh bien, j'ai tendance à le sortir dans les cartes tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il y a des rumeurs. Ouais, alors, les gens, ils n'en veulent pas du QR code. Hein. Ouais. Ça, à la rigueur, je suis peut-être là-dessus davantage sur ce que pensent les Parisiens, vous voyez. Il y a d'abord l'événement qui est sorti, parce que c'est très fort. Et là, j'ai plutôt l'impression que les gens ne sont pas d'accord. J'ai un non, j'ai un refus. Et c'est les discours, les bavardages, donc c'est ce que les gens pensent. Ils pensent que c'est pas bien, voilà. Ça suscite plutôt de la colère. Bon, bah on a tout ce qu'il faut savoir sur nos JO, hein. Voilà. Donc il vaut mieux ne pas être sur Paris pendant cette époque-là. Et en plus, alors ne pas être sur Paris, alors peut-être qu'à la périphérie ça ira, mais en tout cas éviter vraiment, vraiment les abords de la Seine, quoi.
l'endroit où toutes les compétitions vont avoir lieu parce que là ça va très mal se passer. Voilà, bon, donc ça nous fait 3 petits tirages, je vais vous poster ça. Je vais encore vous souhaiter très bon week-end de Pentecôte. À bientôt, au revoir.